Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire un petit haul sur plusieurs achats, Leclerc, Nocibé, une commande que j'ai reçue en revenant de chez mes parents pour Noël et j'étais trop contente. J'ai l'impression que c'est flou. Je devais être mon nénu là qui était seul. Alors je vais commencer par la petite commande. Ce sont des pinceaux Real Techniques, donc c'est un peu cracra parce que bah, je les utilise quoi, hein, vous comprendrez. Donc je me suis commandé le Stippling Brush, donc celui pour le fond de teint. Et depuis que je l'ai reçu, je n'utilise que lui pour appliquer mon fond de teint. Franchement, je l'adore. J'ai reçu mon blush brush que je voulais absolument. Donc celui qui est super gros comme ça. Et je l'adore, il est doux et tout. Oh là, c'est une tuerie. Et j'ai reçu le Expert Face Brush, donc que j'utilise pour mettre le creux comme ça. Qui est un peu plus rigide, mais qui reste tout aussi doux. Ensuite, Leclerc, donc ça regroupe plusieurs jours d'achat en fait. Je me suis repris, je sais plus si je vous avais montré, mon Control Shine chez Nivea, donc gel crème anti-brillance que je mets le soir. Allez savoir pourquoi, mais moi je le mets le soir, réduit la brillance de la peau et hydrate intensément. Et moi je me suis aperçue qu'au fil du temps, ma peau le matin était moins grasse. Donc, faut en continuer. Je vous lis. Voilà. Donc je vous avais déjà présenté dans un produit fini et tout, et donc j'ai fini par le racheter. Je me suis acheté encore de chez Nivea un soin de jour matifiant. Peau mixte à tendance grasse. Il me semble que je vous avais déjà présenté, mais je suis vraiment pas sûre. Donc en fait ça réduit, c'est pareil, ça matifie la peau. Ensuite, toujours chez Leclerc, je me suis acheté un vernis bourgeois. Donc ceux qui sont dans ce packaging là, parce que j'adore leur brosse en fait. En fait leur brosse, c'est celle qui est énorme. Et donc en un passage, moi je fais un ongle. Donc c'est le 07 Fuchsia Bucolique. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est tellement écrit petit. Fuchsia Bucolique il s'appelle. Et donc c'est vraiment un gros pur fuchsia, je l'ai sur mon ongle. Magnifique, il sèche vite en plus. Moi j'aime beaucoup. Ensuite je m'en suis acheté un de chez L'Oréal. Donc il est tout petit comme ça. C'est le 505. C'est un miroir. Du coup ça brille, ça reflète. Voilà. Et donc c'est un violet. Avec des espèces de paillettes dorées dedans. Je me suis racheté ma base de chez Jumet, donc l'instant anti-âge le lisseur. Donc bon, vous allez me dire anti-âge, mais bon, moi je l'aime bien parce qu'il atténue vachement les pores et la peau grasse, etc. Donc moi je l'aime bien, voilà. Point final à l'histoire. Je me suis rendue dans mon Nocibé. Donc moi, je me suis acheté un vernis, un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Donc c'est un rouge volupté et c'est le 100, et c'est le 11 et son nom je l'ai plus. Alors c'est le 11 Rose Cult. C'est la gamme Rose Volupté. Donc c'est tout en bon. Alors, je me suis fait chier à retrouver le truc. Oh, pas cool. Voilà, Rose Cult. Donc Rouge Volupté. Donc j'aime bien déjà les boîtes. Et ensuite le packaging, c'est juste une tuerie. Avec un petit miroir. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Et donc j'ai pris, c'est un espèce de rouge framboise qui est une tuerie, il est magnifique. Pour faire un swatch, évidemment. Alors il n'est pas du tout modulable, hein. Une fois que vous passez, c'est mort, hein. C'est une catastrophe. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres qui pètent, et ben c'est pas la peine. Ben moi j'adore. En ce moment c'est ma lubie. Donc je vais essayer de refaire. Voilà, donc c'est un framboise. Il est juste magnifique. Magnifique.
Et le packaging est sublime. Ensuite, je me suis acheté une illusion de chez Chanel. Donc, je me suis prise la 85 Mirifique. Qui est... les filles, si vous saviez. Une tuerie. Donc, elle est comme ceci. Donc, c'est un noir. Avec des paillettes de toutes les couleurs. Là, vous les voyez que argentées, mais moi j'ai vu, il y a des paillettes vertes, des paillettes de toutes les couleurs. Regardez-moi, ah purée, j'en suis tombée amoureuse quoi. Et un petit swatch. Alors déjà la texture, moi j'ai trouvé ça juste énorme. C'est une crème en fait, c'est très très bizarre. Je l'ai mise, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours je crois. Je vais pas me faire de swatch sur la tronche. Voilà. Il est magnifique. Franchement les filles, cette illusion d'ombre, elle est magnifique. C'est juste, elle est juste trop belle quoi. Franchement, moi j'adore ces couleurs là et celle-là, sur les yeux les filles, sur les yeux. Je vous dis que ça. Je vous dis que ça. Bon, par contre, à enlever. Ça tient quoi. Oui, ça tient. J'enlèverai la plaie. Ou de l'eau de Javel. C'est vendu dans sa petite boîte avec son petit pinceau. Qui est super bien en plus. Voilà, qui est comme ça et qui est souple, oh, souple et rigide à la fois, vous voyez. Donc du coup vous pouvez bien faire le petit creux là. Et il est super bien ce pinceau. D'ailleurs je vais le maquiller avec. Ensuite et en dernier, mon chéri m'a acheté un gloss, un ultra gloss de chez Dior, donc un Dior Addict. Donc c'est le 982. J'ai l'impression qu'il s'appelle Flash. Ouais, Flash. Enfin, c'est tout en transparence. En miroir, Flash 982, et donc c'est les volumes plumping brillance spectaculaire. Donc le packaging déjà, hein, voilà, avec marqué Dior, et la couleur donc c'est un espèce de prune avec plein de paillettes, enfin de Il est magnifique. Et je vais vous faire un swatch. Et donc voilà, c'est un prune. Il est magnifique. Oh, et t'as 27,30€. Coucou Peluche. Allez, on fait rentrer Peluche. Bah elle est partie Peluche. Donc les filles, oui, j'ai encore dépensé des sous. Oui, j'ai fait mon égoïste. Voilà. Évidemment, hein, c'est ironique. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire un mini haul de 3 produits. Donc c'est un mini haul de 3 produits. Parce qu'en fait j'ai déjà un haul dans mon ordi. Et donc je vais mettre les 2 vidéos ensemble. Donc du coup ça fera pas une vidéo juste de 3 minutes. Ça fera une vidéo un petit peu plus longue. Voilà. Donc c'est une commande The Body Shop. J'ai acheté 3 produits. Non, j'en ai acheté 4, mais il y en a un pour le concours. Qui va sûrement être en ligne avant. Donc j'ai acheté le beurre corporel à la framboise. J'en suis à mon 3ème pot. En fait j'ai fait un stock tout simplement. Ce beurre corporel, c'est une tuerie. Parce qu'en fait celui-là je l'ai que depuis 3-4 jours. Et j'ai déjà fait un trou dedans. Tellement je le kiffe, il sent trop bon. J'en suis amoureuse. Franchement. Ça, vous allez entendre parler dans mes tops. Ensuite, un beurre corporel à la cerise. Donc c'est un petit pot. Donc c'est pareil, ça sent bon, mais je trouve pas que ce soit très odorant.
c'est léger. Et j'ai acheté un petit pour tester l'exfoliant à la cerise. Et lui par contre, je sais pas, je trouve pas que ça sente la cerise, mais ça sent juste trop bon. Donc en fait c'est, je sais pas si vous allez bien voir. Moi aussi c'est bon, je peux le pencher, ça tombe mon pan. Ça c'est gélatineux, c'est très bizarre. Mais il y a des petits grains et tout, et je trouve qu'il n'y a pas grand chose. C'est vraiment un petit pot, je vais montrer. C'est encore plus petit que le beurre corporel. Mais bon. Et comme c'était des produits, en, comme c'est les soldes, je les ai eu en solde, donc lui j'ai dû l'avoir à 8 euros. Ouais, 8. Lui je sais plus. Et lui encore moins, franchement. Et les filles, c'était vraiment un tout petit haul. Mais comme je vous dis, j'en ai un autre dans l'ordi, je me suis dit je vais le faire et je recollerai tout ça ensemble. Et voilà, pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, évidemment, bah comme à chaque fois, j'aime bien me regarder. Je vais vous faire plein de bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye! Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire un petit haul Yves Rocher, Nocibé et ma parapharmacie. Donc sachez qu'il est un truc comme 2h30 du matin et que l'insomnie me guette, enfin me tient surtout. Donc ce sera un haul qui sera collé derrière deux autres hauls. Commençons par Yves Rocher. J'espère que vous verrez bien la couleur. J'ai acheté un vernis. Donc c'est un tout petit. Alors par contre les prix. Voilà. Comme ça, ça vous aide bien. C'est le 51 bleu nuit. Et en fait c'est un bleu nuit. Ouh, intéressant. Je vais essayer de vous faire un zoom. Là vous le voyez noir. Je me suis pris deux gros gels douche. En fait je les ai pris parce qu'ils étaient en solde. Je les ai payés à peine 3 euros il me semble. Donc j'ai pris le mur sauvage. Et ce sont les gros, c'est les 400 ml. Et le framboise. Donc j'en ai pris un pour vous pour le concours. Et celui-là j'ai hésité à le mettre, mais la place je vous ai mis un cottage. Ensuite j'ai fait Nocibé. Ah non pardon, il reste un truc chez Yves Rocher. C'est des sels de bain à la rose. Donc en fait c'est dans un petit sachet comme ça. Ça coûte 99 centimes. Et moi je les ai transvasés dans une boîte comme ça de chez Yves Rocher, de chez Sephora. Et ils sont tout roses et ça sent trop bon. C'est pas une odeur de rose très forte et tout, mais c'est super agréable. Voilà. J'attendais de vous les montrer pour les utiliser. Ensuite, Nocibé. Alors, Nocibé, j'ai pris des trucs pour le concours, mais je me suis pris trois trucs pour moi. Donc, j'ai pris un baume du dodo. Donc, ça s'appelle baume du dodo pyjama des lèvres. Et je l'ai essayé et j'aime pas du tout parce que j'avais pas fait attention, c'est à la fleur d'oranger. Et sincèrement, ça sent trop fort, la fleur d'oranger. Et j'ai pas pu, ça me dégoûte, je peux pas, je déteste cette odeur et j'ai pas fait attention. Bon, je l'ai payé 1 euro, vous voyez, là. J'ai payé 1 euro donc ça va, mais voilà. Moi je peux pas, la fleur d'oranger je peux pas. Voilà, franchement ça pue. Donc ça je vais le donner. J'ai pas mis mes lèvres sur le tube donc voilà. Je peux le donner. Ensuite je me suis acheté donc comme pour vous pour le concours. Un gloss de chez Casuel. Donc moi je me suis pris celui au coca. Et j'ai pris un au coca exactement pour le concours. Et ça sent vraiment le coca. C'est agréable. Et en dernier chez Nocibé, je me suis pris dans une petite boîte comme ça. Je trouve ça trop beau. Les délices Nocibé Muffin Myrtille. Donc c'est une poudre pour le bain. Donc ça se présente dans une jolie petite boîte comme ça. Donc quand vous ouvrez,
Par contre, après, c'est un petit peu moins beau. En fait, c'est une pochette comme ça, avec une poudre, tout simplement, pour le bain. Et j'ai fait un trou, mais voilà. Ça sent juste trop bon. Et en dernier, je suis allée dans ma parapharmacie. Et donc, je me suis pris un gel moussant sébium donc de chez Bioderma. Donc, c'est le vert. Donc, peau mixte à grasse. Donc, je vais tester ça. Je n'ai pas encore testé, pas utilisé, rien du tout. J'ai payé ça à 10 euros. Ça sent bon. Ça va. Peut servir de mousse à raser. Il marque qu'il peut servir de mousse à raser, je vous jure, ce marqué là. Attendez. Là. I'm shocking. On se voit plus. Oh. Ah ouais, bon bah écoutez, je le mettrai sur mes jambes. Non, je dirais à mon homme de tester, parce que c'est rare que je me rase les joues. Donc voilà, j'ai payé ça une dizaine d'euros. J'ai bien envie de tester, donc j'en ai entendu à pas mal de bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part que c'était un haul assez rapide. J'ai pas besoin de m'étaler pendant des heures non plus. Quoique j'aime bien discuter avec vous. Donc les filles, je vais vous faire des bisous, évidemment. Parce que là, vous en êtes au troisième haul. Vous allez me dire, mais elle nous casse les pieds celle-là. Donc, je vais vous faire évidemment des bisous et puis je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye !